Salut Jacques. Salut Daniel. Alors, Subaru ont décidé de faire un événement ici même à Québec. Bravo. D'abord, c'est le fun d'avoir une compagnie qui fait des tests ici à Québec. Et ce sont des essais routiers, mais surtout des tests de conduite en hiver pour Subaru. Et ils en ont profité pour nous présenter leur Forester 2011. En apparence, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais lorsqu'on regarde bien le véhicule, en avant, quelques petits changements esthétiques, mais le gros du changement demeure mécanique. Absolument, absolument. Mais comme tu dis, Forester, c'est un véhicule qui est sur le marché depuis 1998. Alors, c'était presque parmi les premiers SUV qui arrivaient sur le marché. Maintenant, il y en a plusieurs. Alors, Forester ont eu beaucoup de succès lorsqu'ils sont arrivés. Et ça a augmenté avec l'avenue du nouveau Forester qui a été complètement redessiné, si on veut, pour 2009. En 2011, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau esthétique. Il y a eu quelque peu de changements au niveau de la calandre, comme tu disais, etc. Petite affaire à l'intérieur, mais c'est minime. Alors, on a des... Mais la mécanique, elle, on y a touché passablement. Bon, là, on va regarder... Si on regarde les chiffres... Un moteur Boxster, 2,5 litres, 170 chevaux, on se dit, bien là, c'est la même affaire. Mais c'est un tout nouveau moteur qu'on a passé de simple arbre-cam en tête à double arbre-cam en tête. Donc, on a fait un gros changement de ce côté. Oui. Alors, pour ce faire, c'est que généralement, lorsqu'on passe à double arbre-cam en tête, c'est que le moteur devrait être élargi. On a trouvé une façon de travailler les bielles à l'intérieur pour pouvoir justement en faire un moteur plus compact. Comme tu dis, double abracam en tête. Maintenant, on n'a plus de courroies de caoutchouc qui entraînent ces abracam en tête-là. On a maintenant des chaînes. Alors, c'est fini, ça dure à la vie du moteur. Je pense que ça, c'est intéressant. Ça va, ça va sauver. Ça sauve les coûts d'entretien aux 160 000 km. Absolument. Alors, ce moteur-là est en CC. Il y a quelques CC de plus que l'autre avait, mais ça demeure un 2,5 litres. Même chevaux vapeur, 170, 174 livres de torque, un petit peu plus de coupe, un petit peu plus qu'il y avait auparavant. Le gros changement se fait au niveau de l'admission sur le moteur, qui est maintenant un genre de plastique. Et ça a été travaillé de façon à ce que l'air moteur respire mieux qu'il aspirait auparavant. Les gens qui vont regarder le moteur vont trouver un peu bizarre le fait où on a placé le filtre à l'huile. Le filtre à l'huile est complètement sur le dessus du moteur et on n'a pas fait comme les autres manufacturiers, c'est-à-dire utiliser une cartouche. On a vraiment utilisé le filtre à l'huile, mais on l'a pris d'en dessous. Puis on l'a mis sur le dessus du moteur, alors c'est assez particulier. Ouais. Alors, ils ont décidé de faire ça parce qu'ils prétendent que c'est beaucoup plus rapide lorsqu'il vient le temps d'effectuer les changements d'huile, faire l'entretien sur le moteur, etc. Et il y a une petite valve dans cette cartouche-là qui se ferme lorsqu'on l'enlève pour pas que l'huile compte. Moi, je regardais où c'est installé, je me dis il faut vraiment bien nettoyer ça lorsqu'on va changer le filtreur, parce que de la manière que c'est fait, il y a une cavité tout le tour, puis on a l'impression que le filtreur rentre là-dedans et qu'il faudra bien nettoyer. Mais en dehors de ça, c'est un moteur Subaru typique, avec un son un petit peu plus sourd qu'il y avait auparavant. J'aimais le bruit rugueux de l'autre typique moteur, Boxster. Mais celui-ci est plus doux, plus silencieux, puis on s'en aperçoit aussi à l'intérieur. Bien, on a changé également des coussinets de suspension pour justement adoucir encore le véhicule. Le moteur fait aussi une bonne différence. On le prétend légèrement plus économique, mais on ne verra pas vraiment une grosse différence au niveau de l'économie. Bien, c'est un moteur qui est... Au niveau de l'économie, le plus économique serait le Rogue sur le marché, il y aurait le Toyota RAV4 et le Forester, qui sont les trois dans les mêmes, autour de 9 à 10 litres aux 100 km. Bien entendu, si tu fais juste la ville, que tu roules en ville, bien, tu vas rouler à 14 puis 15 litres aux 100, alors que d'autres véhicules rouleraient à 18 puis à 20 litres aux 100. Mais alors, ça c'est correct. Moi, ce que je trouve, pour l'avoir conduit, le véhicule, je trouve que la suspension, c'est très américanisé. Puis on n'a pas le choix parce que Subaru dépend beaucoup des Américains. Si les Américains disent on veut une suspension molle, on a une suspension molle ici. Alors qu'antérieurement, lorsque on a présenté les Forester, il y avait des suspensions un petit peu plus rigides, selon moi, plus confortables pour notre type de conduite, nous, ici au Québec. C'est un véhicule qui est spacieux, qui est logeable, qui est aussi agréable à rouler à bord. Des sièges avec un peu plus d'ajustement à l'intérieur. Des nouveaux tissus de sièges qui se nettoient beaucoup mieux. Ça, c'est agréable, mais il y a encore beaucoup de plastique dur à l'intérieur que moi, je trouve que ça fait pas vraiment de haute qualité.
Une autre chose qui est intéressante, c'est que ce qui est intéressant puis surprenant, c'est que le mois de novembre qu'on vient de passer, il s'est vendu au-delà de 950 Subaru au Canada. On pense pas, on en voit. Il me semble qu'on en... Forester, excusez-moi. Oui. On pense pas qu'il y en a autant que ça qui roule sur les routes. Mais Subaru font pas de gros plats avec ça. Le Forester, ça vend tout haut, ça va tout haut en augmentant. Jacques, c'est un véhicule de connaisseurs. Les Absolument. Gens qui connaissent l'automobile, connaissent Subaru, aiment ce type de traction-là, oui. aiment ce type de véhicule-là, vont acheter ces véhicules-là. 900, on va dire, c'est beaucoup pour Subaru, mais c'est pas un chiffre astronomique pour un autre constructeur. Mais ça reste que c'est un véhicule qui fait tout bien. Ouais. Les gens qui ont, par exemple, un chalet, qui ont une résidence, qui vivent en milieu rural où il y a beaucoup de neige, la traction demeure l'atout majeur de ce véhicule-là. On a pu le tester encore une fois. Ah, et en route, c'est incroyable. C'est incroyable parce que faut pas se le cacher que les gens qui ont un véhicule comme ça sont 99 % du temps sur l'asphalte et n'utilisent pas ouais. les performances. Sauf que si on regarde le dégagement du véhicule, la traction... peu importe qu'on prenne le manuel ou l'automatique, oui. Le centre de gravité bas, ça permet d'avoir des performances en route qui sont étonnantes. Oui. Le centre de gravité est bas, mais le véhicule est quand même une très bonne, haut. Une bonne, ah, oui, haute terre. C'est ça, c'est... Alors, ça permet de passer à des places où ce que d'autres ne passeraient pas. Le seul bémol qu'il y a sur ce véhicule-ci, c'est que ce moteur-là, on l'a couplé à la vieille boîte automatique 4 rapports et... C'est pas demain la veille qu'on va avoir une CVT ou qu'on va avoir une boîte automatique 6 vitesses parce que on nous dit que une boîte automatique plus grosse ne fait pas dans ce châssis-là. Alors, il faut attendre la prochaine génération de Subaru Impreza qui, elle, va être sur le marché à l'automne prochain, modèle 2012, la nouvelle Impreza 2012 qui va arriver à l'automne prochain. À ce moment-là, le châssis va être dessiné différemment. Et par la suite, ce sera le châssis de l'Impreza qui sera dessous le nouveau Forester qui, à ce moment-là, ça permettra d'avoir la nouvelle transmission. La CVT et la 5 vitesses, c'est probablement. Ça. Alors, ça veut dire que pas avant 2013 qu'on va voir un nouveau Forester avec une boîte automatique plus moderne. Sur papier, quand tu regardes sur papier, tu vois automatique 4 vitesses, tu dis c'est aberrant. Ça n'a aucun bon sens d'avoir fait une chose comme ça de la part des gens de chez Subaru. Mais quand tu roules avec... C'est pas une raison pour dire j'achète pas un Forester parce que j'ai une 4 vitesses, parce que la plupart des gens s'en rendront pas compte. Le véhicule ne surrégime pas, c'est-à-dire que le contour, on va à 118, on va être à peu près à 2800 tours. C'est ça. C'est très vivable. Puis à 100 km/h, tu vas être à quoi? À 2100 tours. Et voilà, c'est vivable quand même avec la 4 vitesses. C'est pas une raison pour ne pas l'acheter, mais sur papier, on voit vraiment un net retard sur la concurrence. Mais dans les faits, c'est pas une raison pour ne pas acheter ce véhicule-là qui fait, encore une fois, tout de bien. Oui. Alors, il y a ce moteur-là, il y a une couple de moteurs qu'on peut avoir, le moteur 2.5 et le 2.5 turbo. Que lui était déjà à fin point du jour. Et puis, les prix varient avec transport, préparation de 27 000 $ à... 10 000 $ de plus pour le modèle turbo équipé, alors de 27 à 37 000 $ et on va pouvoir avoir une Subaru. Les gens de Subaru nous ont aussi présenté la Legacy, oui. qui a, depuis son introduction, un net succès. Cette voiture-là n'a rien changé en 2011, sauf un genre de groupe d'options qui est différent, c'est tout. Ouais, je pense que ils se sont rendus compte que ce que les gens voulaient avoir, le consommateur voulait avoir, exemple, les téléphones Bluetooth, main libre, qu'on retrouve aussi sur le Forester maintenant, sur tous les véhicules, il y a un groupe d'options que les gens, c'est ça qu'ils voulaient avoir, c'est ça qu'ils se commandaient. On l'a mis dans un package, comme on appelle, qui en regroupe davantage et qui permet de baisser un petit peu le prix de ces options-là. Les gens vont avoir un véhicule dans l'ordre de 27 000 $ pour des tractions intégrales, etc. C'est intéressant. Merci, Jean.